Hi folks, salut les copains, moi c'est Arthur, bienvenue sur ma chaîne. Folks, I'm Arthur, welcome to my channel. We will now do the third flight of the FMS BAE Hawk 80mm with inside a CNHL 6S 4000 pack 70C all the way back, and you can see I carved some foam to reach a CG of 105mm. It's right there. On peut montrer peut-être Robert les marques du CG, je crois que c'est ici, ouais, voilà. It's just right here on these marks. Bim. Le CG 105 mm, les amis, qui est plutôt pas mal. C'est 10 mm derrière le bouquin, mais on peut encore aller derrière. Je pense que 110 mm, ça doit être bien. Mais j'ai pas envie d'ajouter du plomb derrière. Donc ça va rester comme ça. Guys, I think I will keep my CG like that because I don't want to add some lead in the tail. That's pretty cool like that. And so we will do the third flight. On fait le troisième vol avec le FMS Hawk 80mm, qui est extraordinaire. Malgré ce vent fort de 30 km/h, il est ultra gentil. On va faire des passages en high alpha, des passages lents. We will do some high alpha passes. I will fly with low from the book now. Je vais décoller avec les petits débattements du livre, avec un cran de volée. Check the description, guys, to know all my rates. Regardez la description, les amis, pour avoir tous mes débattements. Extra. Wow! La rafale. J'ai décollé avec 70% de gaz. Only 70% of throttle for that takeoff. Et je vais faire demi-tour et on va se mettre dans le vent. Look at that. High alpha. Insane. Incroyable ce truc. Et ça va vite. I will try again. On va refaire. No flaps. Dingue, 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 dingue. Excellent, excellent. Merveilleux. On va faire rien du tout parce qu'il y a un avion qui va passer devant nous, donc on va rester en l'air. Je voulais faire un touch and go, mais non. Alors, fais un passage. Passage lent, no throttle, and then you feed a bit of throttle. Look at that. Look. That's crazy. Full up elevator with the low from the book. Pleine profondeur avec les petits débattements du bouquin. C'est dingue. Carrément dingue. Génial. Et ça redescend. Et on est là. On va faire un petit passage à l'anglaise. What a beaut. Merveilleux ce truc. Merveilleux. Allez, on va faire un petit touch and go. Avec les petits débattements du livre, toujours. Still the low from the book. Full flaps. Plein volé dans le vent. Look at that, Willy! Génial! Look at that, Willy! Génial, c'est reparti! Et ça monte! Et ça monte! Et plein gaz, t'es prêt, Robert? Full throttle. Et ça va vite. Ah oui, je t'avais prévenu. Hein. Allez, on refait un passage rapide. Un petit peu plus loin de nous. You ready? Allez, c'est parti.
pretty fast. C'est vraiment rapide. Hein? Velo from the book, no throttle. Je suis plein réduit. Watch that crosswind, guys. Regardez ce vent de travers. Incroyable. Allez, encore un petit tour. Oh, le vent. The wind is so turbulent, guys. But the gyro reflex is very, very efficient, as you can tell. Allez, atterrissage complet. Full stop landing. Wow, wow. That wheelie landing, guys. Awesome. Excellent. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh ben, ça consomme rien du tout. Hein. On est à 3,80. Ouais, faut ajouter 4. On est à 3,86 là. Largement 3,86 pour 4 minutes 20. 3 minutes de moteur. Pff, extraordinaire ce truc. C'est vrai, je pourrais repartir. Alors repartons. On va... Allez, c'est parti, on décolle avec lui. Let's go! Très drôle. Très, très drôle. Plein réduit. Idle. Allez, ça monte. Oh, le vent. Dead stick landing. Dead stick landing. Excellent. J'ai carrément atterri sans gaz. C'est génial. Et plein volé, hein, malgré le vent. Donc, on a combien maintenant? Regardons notre écran. Voyons voir. On a 5 minutes 18 de vol, 3 minutes 35 de moteur, et on est à 3,83. Ouais, 3,83, voire même 3,84. C'est dingue, 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 dingue. So guys, 3.84 volts for a flight of 5 minutes and 20 seconds, and 3 minutes and a half of useful throttle time. That's just insane. I love that Beehawk. That's so, so cool. And next flight will be on the grass. On our grass runway, we will test the landing gear. I'm so happy with that jet. That's so easy to fly, and you can see the wind. The wind is really strong. The instrument are showing around 30 kilometer per hour of gust, so 15 miles per hour. That's so huge, but it can handle the wind with the reflex gyro just perfect. Donc ouais les gars, c'est vraiment vraiment un super jet, il est tout facile à voler, il est super super cool avec le gyro réflexe, très 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 bien, même avec les 30 km/h de vent qu'on a là, génial, vraiment je recommande, pour moi je pense que ça peut même être un premier jet, hein, vraiment, hein, c'est vraiment facile, il est top, il fait un bruit d'enfer, il a une autonomie extraordinaire, il n'y a rien à redire, on peut faire des passages lents, vous avez vu, hein. C'est génial, il va vite, il est maniable, extra, le jet a tout faire et à avoir toujours dans son coffre. En plus, il fait que 1,6 m d'envergure, donc même pas besoin d'enlever les ailes. Au top, les gars. Vous savez où le trouver. Tous les liens sont dans la description. Alors, merci d'avoir regardé. Comme d'hab, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous, évidemment. Hein. Ne partez pas comme ça, comme des voleurs. Restez avec moi pour suivre les nouvelles aventures. Guys, thank you so much for watching. Don't hesitate to put a thumbs up if you liked it. And don't forget to subscribe. Don't leave me now like that without subscribing, folks. See you very soon for a new adventure. À bientôt, les gars. Ciao. Et ça coupe!